Je suis ravie de cette journée qui s'est très très bien passée, où tout le monde avait le sourire. Je remercie le Seigneur de nous avoir accompagnés, soutenus pendant cette longue période de préparation. Ça fait 6 mois qu'on prépare cette fête, mais je remercie aussi tous ceux qui ont participé, qui ont donné de leur temps, de leurs compétences, de leur énergie pour soutenir cette grande fête de la Saint-Jean. Et je pense que c'est notre Sainte-Épine qui nous entraîne dans des chemins que nous espérons longs et glorieux. C'est une très grande joie en ce jour du 24 juin, après 2 années compliquées de pandémie, de pouvoir revivre cette grande fête paroissiale, la fête de Saint-Jean. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance, pour la première fois, je pense, depuis 50 ans, de faire une grande procession dans les rues de la Bastide de Libourne. Un moment qui était festif, un moment aussi où nous avons pu rentrer finalement en contact avec les personnes à travers toute la population de la ville qui a vu aussi la jeunesse de la paroisse, tous les groupes un petit peu constitués de notre paroisse, aussi qui était en train d'entourer la Sainte-Épine, notre sainte relique, notre trésor précieux ici. Et puis c'était aussi une évocation historique de la ville de la Bastide, et notamment de l'arrivée de la relique ici en 811 par Charlemagne. Donc il y avait Charlemagne qui était parmi nous sur son cheval, et qui a aussi déambulé dans les rues de la Bastide. Et puis nous avons aussi vécu ensemble la messe solennelle avec Monseigneur Jam qui nous a fait la joie de venir ici pour nous soutenir aussi. Voilà, donc c'était un jour de joie, un jour de fête. Je suis vraiment un curé comblé. J'étais entouré d'autres prêtres nombreux qui sont venus pour nous soutenir, pour prier avec nous, avec tous les paroissiens. Nous avions aussi une confrérie qui est venue de Perpignan. Là, il y a des liens entre cette confrérie de la Sainte-Épine de Libourne et puis la confrérie de Perpignan qui aussi vient nous visiter. Voilà, il y a des liens qui sont tissés depuis 2 années et nous voulons que ça puisse perdurer. Alors, je vous donne aussi rendez-vous pour vous tous qui ne connaissez pas encore la Sainte-Épine de Libourne. Peut-être venez l'année prochaine, le 24 juin, pour prier ensemble, pour aussi découvrir cette précieuse relique que nous avons la chance d'avoir ici à Libourne et aussi dans le diocèse de Bordeaux. Voilà, soyez les bienvenus. À très bientôt en tout cas. Tradition chrétienne, nous sommes faits pour la relation, l'échange, la joie partagée.